Et salut YouTube, comment tu vas aujourd'hui? Écoute, ça va super, aujourd'hui on se retrouve sur IMR, sur mon compte. Et on va se faire un point personnage épique. Voilà, on me l'a souvent demandé, quel épique garder au début du jeu, quel épique est utile pour l'early, le mid, le late game. Donc voilà, on va se faire un point sur tous les épiques, faction par faction. Je vais vous donner mon avis, pourquoi il est utile, et comme ça vous aurez un avis sur tous les personnages épiques. Donc on va commencer tout de suite par Whim. Whim, excellent tank support, early, mid, late game. Son stuff est très simple, vous mettez des HP, vous mettez de la speed, et vous pouvez le jouer dans absolument tous les contenus, c'est un très bon protecteur. Shield de 40% de ses HP donne consolidation 1 à tous les alliés, ce qui vous permet de tanker plus. Donc voilà, ça c'est un excellent support. Pour le deuxième épique, Naya, personnellement, pour moi c'est de la food. En très très early, vous pouvez l'utiliser en tant que buffer attaque, mais sinon pour moi c'est juste de la food. Donc pour ceux qui ne connaissent pas ce que c'est que de la food, c'est un matériel qui permet de monter vos autres héros. Donc voilà. Pour moi, Naya, c'est de la food. Blade, c'est comme Naya. On oublie, c'est de la food. Shtar, pareil. Par contre, Sinov. Sinov, excellent support. Buffer ATB sur le S2. Donc buffer ATB de 10%. Shield pour toute la team. Sur le S3, on est sur du speed down. Plus réduit ATB des adversaires. Donc voilà. Le perso est excellent dans sa tribu, donc Dragon Tribe, dans sa faction. En PvP, elle fonctionne très bien. Dans la tour verte, elle fonctionne très bien. Vous la stuffez speed HP. Voilà, le max de speed sur le personnage. Donc c'est très très simple à stuffer. Donc voilà, gardez-la de côté, elle est excellente. Reeves, pour moi, c'est un personnage early game. Voilà, si vous avez eu un mauvais légendaire. Quand je dis mauvais légendaire, c'est-à-dire un support, un tank ou autre, donc pas un DPS. Vous pouvez jouer Reeve en DPS. Le personnage se met la counter-attaque pendant 3 tours. Donc ça lui permet de taper plus souvent. Et il tape sur le bleed. En early, ça fait le taf. Joseph, c'est de la food. On oublie. Et Thérèse, pareil, c'est de la food. Donc voilà, on a fait le début. Pour les épiques de Sunset Sage, Chapeau-Tite, pour moi c'est de la food, mais très très early game. Si vous voulez, voilà, rush un petit peu l'aventure. Le perso est excellent parce qu'il a que des AoE. Donc pour faire des dégâts de zone et avancer très vite dans le mode histoire, c'est très bien. Mais après, ça dépassera pas le mid game de toute façon. Ça sera qu'un personnage early game qui va vous dépanner, mais sans plus. Donc on va passer vite dessus. Athos. Alors pour être honnête, il est sorti, je l'ai jamais joué, pour moi c'est juste de la food. Le perso il n'excelle pas dans ce qu'il fait, donc pour moi c'est de la food. Kultum, je l'ai vu quelques fois en PvP, joué par exemple par Akhtar, qu'il a joué. Le personnage est bon, sur S1 c'est break attack et break def. Sur S2 c'est une chance de provoque, donc c'est quand même excellent. Plus un shield, une fois que vous l'avez exclu, 1. Et son passif, en fait, permet à un allié qui descend en dessous de 30% d'HP de ne pas mourir. Donc voilà, c'est utile en PvP. Je pense qu'en PvE, ça peut faire le taf aussi, si vous n'avez rien d'autre côté support. Mais pour moi, ça restera de la food. Dans l'état actuel de mon jeu, c'est de la food. Mais voilà, c'est un bon héros. Gardez un œil dessus si jamais elle vous intéresse. Reliant. Reliant, elle est un petit peu comme les personnages voilà, qui sont bien en early game. Mais vraiment très early game, c'est-à-dire que c'est un buff speed pour la team. Elle rejoue, elle slow l'adversaire. Donc elle est utile, mais elle dépassera pas non plus le mid game. Pour moi, ça restera de la food par la suite. Melter, c'est complètement de la food. Astic, voilà, c'est pareil. C'est de la food, on s'en fout. Ruhn, c'est particulier. Ruhn, c'est un épique, mais qui est seulement achetable sur le jeu via l'Event Market. L'Event Market, c'est une petite boutique qu'il y a dans le jeu. C'est des points farmables et vous pourrez l'acheter. Ruhn, par contre, est excellent dans ce qu'il fait, c'est-à-dire du contrôle. Il stun sur absolument
quasiment tous ses sorts. Sur le S3, sur le S1, il break def, il met la faiblesse. Voilà, il est excellent. Mais voilà, il est achetable, il n'est pas droppable, donc pour l'instant, lui je le mets dans une autre catégorie. Lutz, il est comme Chapotite. Il est excellent en début de jeu via ses AOE. Mais c'est tout. Il dépassera pas le mid-game. Donc ensuite, ce sera que de la food. Donc voilà pour les épiques de Sunset Sage. On va attaquer ceux de Doom Légion. Donc on va commencer par Norma. Norma, c'était un bon support pour la tour bleue. Sachant qu'elle enlève un buff random à l'adversaire. Donc elle est souvent utilisée pour se battre contre le boss bouclier. Pour pouvoir dispel le bouclier, on utilise Norma, qui est quand même accessible beaucoup plus que Nazakma, Gilman et autres. Sinon, à côté de ça, je la trouve vraiment en dessous des autres supports. Moi, je l'utiliserai que pour dispel. Mais c'est tout. Sinon, après, c'est de la food. L'œuf, malgré que ce soit un HP burn, pour moi, il n'a pas sa place. Il a des dégâts trop, trop bas. Pour moi, c'est de la food. Il y a pas de débat dessus, c'est de la food. Faced, pareil, pour moi, ça reste de la food. Malgré son kit assez intéressant au niveau du burn, etc. Pour moi, ça reste de la food. Adier, j'ai fait une vidéo complète sur Adier sur ma chaîne, si ça vous intéresse. Pour moi, c'est le meilleur épique actuel au niveau DPS, confort de jeu. Il est vraiment excellent. Donc, le S1 qui fait des dégâts mono, le S2 qui met un counter pendant 3 tours et le damage immunité pendant 2 tours. Donc, ça lui empêche de prendre des dégâts pendant 2 tours. C'est extrêmement fort. Si vous l'avez exclu 1, il ne pourra plus se faire contrôle. Donc, c'est encore plus fort. Au niveau de son passif, c'est simple. Il critique, il se soigne. Voilà, c'est très simple. Et son ulti, c'est un gros hit qui le buff en attaque et en crit damage et qui fait très très mal. Donc pour moi, si vous avez eu que des mauvais légendaires en early, Adier va vous carry jusqu'à dans le L. Créon, perso HP burn et contrôle, c'est suivant sa forme. Vous avez une forme contrôle ici et une forme HP burn ici. Il est bon. Il est bon, il remplacera pas un Ezonja, mais il est très bon dans ce qu'il fait, c'est-à-dire du HP burn. Donc vous pouvez le garder également et le monter. Lise, l'un des meilleurs supports early game qui est donné par le jeu, donc n'hésitez pas à la monter. Elle vous fera le taf, elle vous met des boucliers, du heal, du dispel au niveau des dots, du shield. Donc voilà, c'est stuff HP, speed, surtout beaucoup de speed. Voilà, c'est très efficace, Lise, donc n'hésitez pas. Mobis, c'est de la food, on s'en fout. Rudolph, c'est un personnage exclusif à un event, mais c'est de la food, il est carrément pas joué. Munchka, pareil, food. Et on a fait tous les épiques de ce côté-là. Dans Forgotten, l'IA, on passe, c'est de la food. Deschanel est utilisé pour faire Gwinnett. Donc Gwinnett, c'est un donjon où il faut poser de l'anti-heal. Et elle en pose. Donc elle est utilisée pour ça. Donc si vous n'avez pas d'anti-heal, si vous n'avez pas de Lucifer qui est monté, si vous n'avez pas de Qu'Ana, Deschanel, ça fait le taf. Donc gardez un œil dessus si vous avez besoin de poser un anti-heal. Et si c'est de la food, on s'en fout. Longbeard, c'est pareil, c'est de la food. Iguli, pareil. Rumble. Alors, Rumble, je mets un point quand même, un petit peu un point d'honneur pour le personnage. Il contrôle. Voilà, si vous n'avez pas de Nazil, si vous n'avez pas de Père Noël, etc. Rumble peut contrôler les adversaires. Son taux est assez bas, mais il peut contrôler. Donc voilà, pour moi c'est de la food à l'heure actuelle. Mais si vous cherchez un mob contrôle, il peut faire le job. Donc voilà, c'était très rapide pour Forgotten parce qu'ils sont pas excellents. On va passer en Brotherhood. Egea, pour moi, il fait très mal, mais ça reste de la food. Il n'a pas sa place. Wesley, il est plutôt bon. C'est un très bon support poison qui pose le deep poisoning qui permet de faire plus de dégâts sur le poison, qui soigne toute la team et qui fait exploser les poisons. Donc, dans une team poison, il fait le job. Voilà. Sinon, en règle générale, ça reste de la food.
Ardak, c'est de la food. Mou, c'est de la food. Lester, il peut vous servir en early arène, c'est-à-dire que le personnage fait très très mal, mais sur un coup. Genre, quand il arrive sur le terrain, il a 100% de crit. Donc c'est pour ça qu'on le stuff en général en attaque dégâts crit. Et en early arène, il fait largement le job. Et ensuite, il sera remplacé par Margarita, Belton et autres. Mais sinon, c'est de la food. Mori, il peut vous servir de carry en très early game. AoE, mono cible très correct. Donc voilà, si vous n'avez rien d'autre, il peut vous faire le job jusqu'à avoir mieux. Lomas, très bon sur le bleed. Si vous voulez un early bleeder, il fonctionne très bien. Il tape 8 fois, donc potentiellement il peut mettre 8 stacks de saignement. Donc il peut fonctionner, mais c'est pas une priorité à monter en early. Dustin, excellent support. Donc support, heal et shield. Il baisse le coup à effet des adversaires. Il donne de la résistance aux alliés. Donc c'est un très bon support. À garder sous le coude si vous cherchez un support. Ensuite, on va passer sur les personnages Hidden Wave. Qui y en a qui sont très très intéressants. Donc par exemple Gora. Gora fonctionne très bien pour le mode histoire. Voilà, il fait le job. Hein. Donc n'hésitez pas à garder un œil dessus. Hein. C'est stuff basique, attaque crit, dégâts crit. Mais il fait le job. Holvik, pour moi, voilà, c'est de la food. Clairement. Il peut servir de premier buffer ATB. Mais en dehors de la faction, moi je le jouerai pas. Il y a Lise, il y a d'autres personnages qui font le job. Fizzly, il est un petit peu comme Adjar que je vous ai parlé un peu plus tôt. Le personnage fonctionne très très bien pour le mode histoire. Il a la counter-attaque, il a du heal, etc. etc. Donc, un peu comme Adjar, il va faire le job si vous avez rien d'autre au niveau du légendaire. Donc, gardez un œil sur ces deux-là, ils sont très très bons. Ayley, pour moi, c'est un très bon support aussi. Surtout à partir des exclusifs où le shield passe à 40%. Mais en dehors de ça, comme je dis, vous avez Lise, vous avez Anton, vous avez Wim, etc. Donc, pour moi, c'est de la food, Ayley. Et Makin, alors, il vient de sortir, hein, il vient tout juste de sortir. Mais gardez un œil dessus parce que le personnage, il est excellent sur le bleed. Il fait des très 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 bons DPS. Donc, gardez des copies. Vraiment, gardez des copies, le personnage, il est vraiment très très bon. Alors, oups, hop, on va finir sur les 5 dernières factions, donc Sword Arbor. Justy, c'est de la food, on s'en fout, on n'en a pas besoin, ça dégage. Verto est un support pour les personnages de type Bleed, Burn et Poison, dans le sens où il buff attaque de 40%, il augmente le hit effect des alliés, etc. Donc voilà, si vous jouez une compo basée sur les dots, Verto fonctionne très bien en early game. Et sûrement en mid late game, mais pour moi ça reste de la food. Christian, bon support early game, mid game aussi, parce que en vrai il donne un shield de 20%, il stun, donc ça fait le job, mais pour moi ça dépasse pas le mid game en vérité. Mais en early, il fait très bien le job. Bakin, c'est de la food. Oboro, dans l'état actuel de Ymer, je food, voilà, je le joue plus. Ross, pareil, c'est de la food. Capello, pareil, food. Au moins, comme ça, c'est vite réglé. Au niveau forestier, Stan, food. Voilà. Même si sur le papier, il met 5 stacks de poison, c'est de la food. Dal, c'est un peu comme Verto, etc. etc. C'est des bons supports early game qui buffent ATB, etc. Donc, si vous cherchez un buffer ATB, Dal fait le job. Malassa, très forte dans une compo poison. Par exemple avec Walter. Si vous arrivez à choper Walter ou Taf en early game. Elle fait le job. Parce que elle tape sur le poison et elle fait reproc les poisons. Donc, ça peut faire un bon combo. Mafka. Mafka, support poison. Cleanse les attributs des buffs. Mais après ça, elle fait pas grand-chose. Donc pour moi, elle n'est pas jouée. Elle est vraiment pas jouée. Donc plutôt de la foot pour moi.
Ofner. Alors, le perso fait des bons dégâts. Elle a un très bon mono cible. Elle met de l'anti-heal. Elle peut servir dans la tour jaune en early si vous cherchez un petit DPS. Mais à partir de ça, mid-game, etc., ce sera de la food. Pacino, c'est de la food, on s'en fout. Sylvan, c'est pareil. En Nolilight Parlement, il y en a des bons. Il y en a des très très bons. Donc, Frey. Frey, c'est un très bon DPS pour la tour bleue. Le personnage tape en fonction du shield en fait. Si l'adversaire a un shield sur elle, il va faire de l'extra dégâts. Donc il est excellent pour passer à travers le bouclier de l'adversaire. Il ne le casse pas, il passe à travers. Donc ça vous permet un peu d'ignorer la mécanique du boss et de pouvoir tuer facilement le boss. Donc gardez des copies de Frey, moi je l'ai encore. Il m'a servi dans la tour. Donc voilà, gardez-le, il marche très très bien pour la tour. Maya, excellent support pour la tour bleue aussi, pour la faction aussi. Donc vous la gardez, vous la stuffez speed HP. Rosella, c'est de la food, on s'en fiche. Kaido, c'est de la food. Fegan, on food aussi. Anton, excellent support qui remplace Lise une fois que vous l'avez exclusif, pas avant. Une fois que vous l'avez exclusif, il peut remplacer Lise. Donc gardez des copies d'Anton, je l'utilise encore dans ma tour jaune aussi. Il fonctionne très très bien, c'est un excellent support, donc gardez-le, HP Speed comme les autres. Isabelle, très bon DPS mono cible que j'ai utilisé pour faire Efreet 31. Donc là c'est plutôt du late game, enfin du mid late game, vous n'allez pas la jouer en très très early, mais elle fait le job, elle fait très mal, vraiment très très mal. Donc gardez un œil sur Isabelle, moi je l'aime beaucoup ce monstre, il est très très fort. Lélé, c'est de la food, on s'en fout. Il nous reste deux factions, Eternal Sect. Donc on va commencer par Bizen. Bizen, c'est un excellent personnage pour l'arène principalement et seulement exclu 3. A partir de l'exclusif 3, Bizen redonne un tour de jeu en lançant son buff sur un carry. Donc quand vous boostez votre héros avec ce sort-là, votre perso joue direct et vous pouvez tuer toute la team adverse. Si c'est une AOE par exemple. Donc que SQ3. Vedar, très bon support early game, stun, shield. Donc voilà, si vous n'avez pas Wyrm, etc., Vedar fait le taf. Séol, pour moi, c'est de la food. Actuellement, je ne le joue plus, je l'avais joué, mais pour moi, c'est de la food, il fait plus le job. Holder, il peut vous servir de carry early game. Il pose la contre-attaque, il tape en zone, il tape sur le bleed. Donc ça fait le job pour le mode aventure. Winx, c'est clairement de la food. Guna, pour moi, c'est de la food. Je vois pas l'intérêt de ce perso à l'heure actuelle. Donc pour moi, c'est de la food. Magir, ça peut être un bon support. Voilà, si vous n'avez pas Wyrm, si vous n'avez pas Anton, etc., etc. Il pose un shield de 22%. Donc voilà, il protège votre équipe, il fait le job et après vous le remplacez. Et pour finir, on a Wizard Eye. Ici, bah, Eden pour moi c'est food. Sadora, elle pose de l'anti-heal donc elle peut servir sur Gwinnett. Mais sinon, si vous avez mieux, c'est de la food. Magis, pareil, c'est de la food. Muller également. Visley. Alors ça va faire plaisir à un viewer. Visley, j'ai un peu changé mon fusil d'épaule, comme on explique. Le perso buff speed, buff crit. Donc voilà, c'est un bon buffer. Au niveau du S3, c'est un réduc attaque 2. Donc c'est vraiment bon en vrai pour boss. Et au niveau de son passif, ça a une chance de réduire les résistances. Donc en gros, elle peut remplacer un Nicolas si vous ne l'avez pas. Nicolas qui est un personnage très très fort dans le jeu. Mais Visslet est à garder. Voilà, gardez des Visslet de côté. Sylvester, c'est de la food. Vero, c'est de la food. Daisy, c'est de la food. Donc voilà, vous avez un récapitulatif un petit peu de tous les épiques. J'espère que ça va vous aider. La dernière que j'ai fait, elle datait d'un petit peu longtemps. Donc j'espère que ça va vous aider. J'espère que la vidéo vous plaît.
Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un commentaire, un petit j'aime, voilà, pour soutenir la chaîne. N'hésitez pas à passer en live également, je suis en live tous les soirs à 20h. Donc sur ce, je vous laisse avec la vidéo tranquillement, et puis je vous fais des bisous. Ciao tout le monde!